Voici le guide complet des défis cauchemars partie 3 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de battre le sculpteur ultime. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à Brawler Patch, donc juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement là, il y a un boss que vous allez devoir tuer. Bien évidemment, équipez-vous avant de vous fight contre lui. Et quand vous êtes prêt, ben vous n'avez plus qu'à l'attaquer. Alors faites attention parce qu'il a un bazooka. Ça peut faire vraiment très très mal. Et voilà, dès que vous aurez réussi à le tuer, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de visiter Restored Reels. Vous avez juste à vous rendre en plein milieu de la map juste ici pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'accepter un cadeau de Mephisto. Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra un petit peu de PV, vous rendre aux enfers, donc juste ici sur le gameplay, et demander un cadeau à Mephisto en échange de PV. Donc vous demandez une arme, et dès que vous aurez fait ça, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de finir tout, sauf premier, dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à lancer une partie, et à vous laisser mourir pour terminer la partie, en étant tout sauf premier. Et dès que vous aurez fait ça dans 4 parties différentes, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller des contenants. Alors les contenants, ça peut être des boîtes à outils, des boîtes de munitions, des coffres des Avengers, de Doom, etc. Tout ce que vous allez pouvoir interagir pour fouiller, c'est compris comme un contenant. Donc dès que vous aurez fouillé 20 contenants, bah là vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander d'être à moins de 10 mètres d'un adversaire. Donc pour réaliser ce défi, vous pouvez le faire contre des bots, mais il faudra tirer sur les bots pour que ça fonctionne. Enfin, je pense que normalement ça fonctionnera. Sinon, ce que vous faites, c'est que si vous jouez en duo, vous mettez un adversaire par terre, ensuite vous allez près de l'adversaire et vous le portez. Comme ça, vous êtes sûr d'être à moins de 10 mètres. Sinon, si vous êtes en solo, ben là, il faudra mettre un ping pour voir à combien de distance vous êtes de l'adversaire et il faudra vous coller près de l'adversaire à moins de 10 mètres pour valider le défi. Alors, il faut savoir que vous allez devoir rester plus ou moins 300 secondes à côté d'un adversaire pour terminer et valider le défi. Dès que vous serez resté pendant 300 secondes, si je ne me trompe pas, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.